Une pluie d'étoiles envahit en ce moment la station de Val d'Isère, des étoiles de la gastronomie. Après les Barmes de l'Ours, la Beca, l'Atelier d'Edmond, c'est au tour de l'Hôtel Bruxelles d'accueillir des chefs étoilés avec les frères Pourcel, deux étoiles au guide Michelin. J'ai eu l'occasion de découvrir Val d'Isère deux fois avec les pistes gourmandes, l'opération des pistes gourmandes qui m'a amené pour la première fois à Val d'Isère. J'ai beaucoup apprécié la station, j'ai vu qu'il se passait beaucoup de choses, que les chefs étaient dynamiques, que de plus en plus les chefs se tournaient vers Val d'Isère, alors qu'on parle toujours les grands chefs à Courchevel, mais maintenant il y a des grands chefs à Val d'Isère, et donc ça nous a donné l'envie de venir ici. Une cuisine très fine avec les meilleurs produits auxquels s'ajouteront les ingrédients du pays. Écoutez, on aura une cuisine, je dirais, à deux niveaux. On aura une cuisine un peu esprit bistrot, le déjeuner sur la terrasse du Bruxelles, qui est vraiment un emplacement exceptionnel sur les pistes de Val d'Isère. Donc avec une cuisine un peu plus terroir, un peu plus le pur produit, on va dire. Et après, on aura le soir une touche gastronomique sur la table pour celle au Bruxelles. Moi, je crois que l'idée, c'est quand même de s'inspirer du terroir. Donc effectivement, vous avez un très beau terroir ici en Savoie. Avec des produits vraiment spécifiques, et on retrouvera des produits effectivement de tout l'environnement savoyard sur la carte des Pourcel. Il n'y a plus maintenant qu'à se laisser aller au plaisir du palais.